La radio numéro 1 en France. C'est Énergie 99.8. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h02, on est un petit peu en retard. C'est la faute à Scheim. Tu nous as mis en retard, hein. Jusqu'à 9h30, Scheim est avec nous. Si vous avez envie de lui poser des questions, si vous avez envie de lui parler, si vous avez envie de faire des claquettes, eh ben vous faites ce que vous voulez, vous nous appelez 0870 42 48. Elle est venue avec son tout nouveau single qui ne sort qu'à minuit ce soir. On l'a écouté tout à l'heure et on va le réécouter encore tout à l'heure. Ouais. Et c'est bon, tu as ma bénédiction. C'est vrai? Ouais. Tu le connais déjà par cœur et tout? Par cœur, non, parce que je comprends pas tout le temps les paroles. T'as un petit côté Mylène Farmer des fois. Pour l'instant, c'est ça. Voilà. Pour moi, j'ai fait nanana, 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 nanana. Voilà. Il faut parole. Retenir. Mede, 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 oh, eh, eh. Ça suffit. Ça, ça, ah bah voilà, c'est facile, bien. Ça. Et je sais aussi faire de nanana, de poinana, de Franck Sorbier. Voilà. Ça, je sais faire aussi. Scheim est avec nous. Bon réveil sur Énergie. Voici les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas mal d'agitation dans le ciel de Monaco et des Alpes-Maritimes aujourd'hui. Les nuages de gris clair à gris foncé vont se succéder dans le ciel en ne laissant a priori que peu de place aux éclaircies. Il devrait commencer à pleuvoir cet après-midi, des averses qui pourront prendre un caractère orageux la nuit prochaine. D'ici là, de la douceur avec jusqu'à 16 degrés au max, il fait 10 degrés actuellement sur le littoral. Un quart ou rien. La grève a commencé hier soir à la SNCF. Pas plus d'un TER sur quatre prévu aujourd'hui entre Nice et Tende ou encore entre Nice et Vintimille. Au rail, il faudra donc d'ailleurs parfois préférer la route avec des trajets de substitution en quart plus longs. Le prochain départ depuis Menton vers Nice et Cannes-Bocca est à 9h07. Dépêchez-vous. 9h12 depuis Monaco vers Vintimille. Aucun souci en revanche pour les lignes TGV. Plusieurs syndicats dénoncent le gel des salaires et la baisse des effectifs. Fin du mouvement demain. Plus besoin de se poser la question. À partir de cet été, les appels mobiles vers et depuis l'étranger ne seront plus surtaxés en Europe. Les opérateurs viennent de se mettre d'accord. Il faudra tout de même que la durée de coup de fil, le nombre de textos et le téléchargement de données sur le net soient raisonnables. L'Europe a même fixé des critères. Un nouveau site internet, Trouver mon master, une plateforme lancée hier par le gouvernement. Elle doit permettre aux étudiants qui sortent de licence de choisir et postuler plus facilement au master 1 ou 2. L'adresse exacte, trouvermonmaster.gouv.fr. Les études, c'est bien, mais ça coûte cher, notamment à Monaco. Pour faciliter l'accès des étudiants à l'emprunt, le gouvernement princier et la BNP Paribas Monaco viennent de signer un partenariat. Il permettra donc d'aider et d'accompagner les étudiants monégasques tout au long de leur cursus de l'enseignement supérieur. On passe au sport avec la Coupe de France de foot et un match de dingue à Beauvais hier. Monaco a eu besoin des prolongations pour éliminer les amateurs de Chambly en 16e de finale. Victoire 5-4 des Rouges et Blancs. Coach Jardim avait fait le choix de faire jouer de jeunes joueurs comme Kevin Doram. Une nouvelle expérience pour lui. Déjà, c'est la première fois en pro. C'est la première fois que tu fais des prolongations pendant un match professionnel. Donc ça change, hein, c'est difficile. Déjà, marquer en jeune et marquer en pro, c'est pas la même chose déjà. Marquer alors qu'il y a les supporters avec cette ferveur et tout, l'ambiance du match, les déroulements du match, bah, c'était super. J'espère revivre ça plusieurs fois encore. Et Monaco sera accompagné du PSG au prochain tour. Paris vainqueur à Rennes 4-0. Saint-Etienne a été battu à Auxerre 3-0. Tirage au sort des 8e ce soir à 18h. Puis demain, on passe déjà à la 23e journée de Ligue 1 avec Metz OM ce vendredi. Puis on aura le derby à SM Nice samedi au Louis II. Voilà pour votre actuel, les 9h06. On retrouve Manu dans le 6-9 avec Scheim ce matin. Bonne journée à vous. Comme chaque matin, 9h06, en direct depuis 6h et jusqu'à 9h30. Et ce matin, depuis 8h30, elle est avec nous. Elle rayonne dans le studio. Elle est éblouie par son talent, sa beauté et sa coiffure. Oui, mesdames et messieurs, après tant d'années, elle a réussi à passer les barrières, à casser les clichés. Celle que certains appellent l'indomptable.
qu'est-ce qu'il y a, Nico? On dirait que c'est un vieux truc du Festival de Cannes, mais ouais, c'est exactement ça. Hein. D'accord, ok. Parce que je me dis, je vais partir dans une impro, mais pour partir dans une impro, faut que je prenne une voix à la con. Okay, d'accord. Et voilà. Chaim est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être réveillé ce matin parce que c'est pas ton horaire. Non, du tout. Mais ça va, regarde, je suis en forme, j'essaie de te suivre parce que toi, ça fait 4 heures que t'es réveillé au moins. Oui, c'est ça. Mais tout va bien. Non, mais évidemment que tout va bien. Mmh. On est heureux de te recevoir parce que, en plus, ce matin, tu es venu avec un cadeau. C'est ton nouveau single. Il ne sera disponible que ce soir à minuit sur toutes les plateformes digitales, iTunes, à Spotify. À minuit. À minuit, pas pardon. À minuit. J'ai le droit de bafouiller, quoi. Et j'ai une surprise aussi d'ailleurs, je peux la dire là maintenant? Une autre surprise? Oui, une autre pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Ouais. C'est une surprise, hein, donc je ne peux pas en dire énormément non plus, mais ouais. À 17h sur mon Twitter, il va se passer quelque chose. Mais voilà. Quoi? Mais Bah justement, je peux pas dire quoi. Mais en tout cas, on a rendez-vous, tout le monde, à 17h sur mon Twitter. Wow. Shame officiel. Il n'y a pas beaucoup de monde qui te suit, je crois, il y a 3 millions. Ouais, et tu dis une petite broutille. Ouais, c'est toi qui vas poster quelque chose? Il va y avoir quelque chose, oui, un post. C'est visuel ou c'est une information? Oh, mais ça suffit, oui, arrête de me cuisiner. Est-ce qu'il y aura de la musique avec? Il y aura de la musique avec. Ah. On est content. À 17h sur le Twitter officiel de Shaim, il y aura de la musique. C'est ça. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, c'est juste un extrait d'une nana qui chante. Oui, de la musique, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y en aura en tout cas à 17h. Est-ce que c'est un rapport avec l'album qui va arriver? Oui. Ah, est-ce que c'est un rapport avec un autre titre de l'album qui va arriver? Certainement. Est-ce que c'est... Alors, dis-nous je le dis ni oui ni non. Non, mais c'est tout, c'est une surprise, je peux pas le dire. Non, non, mais là c'est bien, ouais, on en sait déjà plus. Hein. Voilà. Franchement, en 30 secondes, toi t'es nul pour garder les surprises. Elle s'est interrogée pour la police, ça donne rien quoi, il balance tout. Ok, c'est moi qui volais, c'est moi qui volais. Mais non madame, on vous a pas fini pour ça, c'était pour autre chose. Ah bon? Ah merde. C'est ça. Vous avez envie de parler à Shaim, et ben vous venez avec nous. 0 870 42 48. On va écouter son nouveau hit qu'on a écouté tout à l'heure à 8h30. On va le réécouter, ça s'appelle Mayday. J'ai encore le refrain dans la tête. C'est efficace, moi aussi je l'ai en tête. Alors mais évidemment. Alors ça sent bon. On a Guillaume qui a une question qui me fait rire. Guillaume, bonjour. Bonjour Manuel, bonjour Shaim. Oula Guillaume, tu as le forfait voyelle, il n'y a que les voyelles qui passent quand tu nous appelles. Ah ben pourtant moi je vous entends bien. Ah c'est bon. Ça va. Guillaume. Bon. Guillaume, tu as une question pour Shaim, je pense que c'est une vraie bonne question. On t'écoute. Ah oui. Je voulais savoir si t'allais encore changer de coiffure. C'est magnifique. Hein. Merci beaucoup Guillaume. À part celle que tu as dû voir certainement sur les réseaux sociaux, pour le moment je n'ai pas changé mais ça ne saurait tarder. C'est marrant ce truc de coiffure. Ouais, en fait j'aime bien changer de tête, quoi. Je me lasse assez vite et donc du coup j'aime bien changer, j'aime bien me redécouvrir avec de nouvelles couleurs, de nouvelles longueurs. J'aimais beaucoup rouge. T'aimais beaucoup rouge? Ouais. Moi aussi j'aimais bien, ouais. À un point que je me rappelle, j'avais découpé ton visage dans un magazine, je le mettais sur mon oreiller dans mon lit et je t'avoue, j'aimais bien le soir lui faire des bisous. T'as peur. J'avais ton image sur mon oreiller, Shaim. Voilà. Et j'ai aussi plein de photos de toi sur le mur de mon bureau et je relis toutes les photos avec des fils, des pelotes de laine rouge. Bon bah voilà Guillaume, elle va encore changer de coiffure. Voilà. Ah ben là je m'en doutais, c'est pas mal. Hein. Merci de nous avoir appelé Guillaume. Mais bon, tu sais déjà ce que ça va être ou pas du tout? Si j'ai une petite idée. Faut que ça mûrisse un peu, tu sais, j'y pense. Après si j'y repense encore dans un ou deux mois, bah c'est bon, je passe à l'action. Oriane. Mais nous quand on va chez le coiffeur, on apporte des photos de toi ou des photos de Jennifer Aniston. Toi t'apportes des photos de qui en fait quand tu veux? Je dessine. Ah tu te dessines? Tu dessines ce que t'as envie de faire? Exactement. Ah, tu dessines? Non, je fais des petites formes quoi, tu vois, un petit croquis pour donner une idée. Et puis pour la couleur, bah. Moi je m'y risquerais pas, je dessine les bonhommes comme une enfant de 5 ans. Donc... tu voulais savoir ce qu'on pensait de ta coupe de cheveux? Non, c'est bon, faut passer à autre chose. 9h11, Shaim est avec nous ce matin. Voici Ed Sheeran, c'est Shape of You. On écoutera son nouveau hit à Shaim avant la fin de cette émission. Bon réveil, merci d'être avec nous.